Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Railway Empire. Si ça marche bien, ce sera le dernier puisqu'il nous reste un seul objectif. Puis si ça vous plaît, je referai des séries sur ce jeu. On va augmenter le transfert entre les deux. Matériaux fonctionnels manquants. Ah, elle est là la tour d'assemblage, on va dire qu'ils vont se débrouiller. Donc il nous reste deux villes à faire grandir. Celle-là, ça se passe. Je pense que ça va se faire sans qu'on ait besoin de connecter autre chose. Je suis pas persuadé, mais faut augmenter la production de viande un peu. Tissu, on a beaucoup de flux. Il faudrait que j'arrive à l'écouler. Body, par exemple, ils ont besoin de tissu. Donc il faut que j'augmente les gens qui circulent sur cette ligne-là et qui font Body Kingman. On va mettre deux de plus. Après, je pense que ça va bouger de ce côté-là. 96, ouais, ça risque. J'ai une voie qui est à 0. Ce qui veut dire que normalement, je peux les brancher comme ça. Tour d'assemblage, on va la mettre là plutôt. Et là pour eux. Pour l'instant, ils vont continuer à utiliser tous la même voie. Si je leur dis, toi maintenant, à Body, tu vas te garer voie 3, il accepte. Toi, tu vas te garer à Body, voie 3. Toi, tu vas te garer à Body, voie 3. Et toi, tu vas te garer à Body. Voilà, 3. Hop, 4 chacun. Il apporte de l'alcool à Body. On peut prendre de l'alcool maintenant. Bah, ça monte tellement qu'à mon avis, je vais pas avoir le temps de suivre qu'on sera déjà à 80. C'est surtout ici que ça monte plus en ce moment. Une solution qui me vient. Est-ce que c'est possible de longer là? Ah, j'ai fait trop serré. Ah non, c'est surtout qu'il y a une voie qui passe. Qui va là? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi celle-là se raccorde là. Ah, mais c'est pas très dur en fait. Vu que j'ai une double voie là. Alors, on va faire plus. On va remettre une grande gare. Si ça tient, ça tient, mais uniquement de ce côté-là. Ça m'embête un peu. Mais bon, on va faire des ponts. J'ai la flemme de faire autre chose. Ou des tunnels, pourquoi pas. J'aimerais les raccorder sur cette ligne-là qui doit pas être très chargée. Onze, 19 au début, c'est un peu raide comme montée, mais bon. Et 18 ici, je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi j'arrive pas à l'attraper lui? Vingt et un, 18, 17, 12. On va rester sur du 12 plutôt. Si je fusionne avec la voie d'à côté. 17 tout de suite. Ah. Oh. Il y a un petit problème de cohérence avec les voies qu'on lui dénivelait. Hop, 6, ce sera bien. Et 6. Ensuite, signe. Je veux que. Si ça roule dans ce sens-là, si ça roule dans ce sens-là. Ok. Ensuite, on va doubler cette ligne-là. On est bon.
un petit signal ici pour imposer le sens. Un là pour imposer le sens. Et roule ma poule. On doit pas avoir un gros débit ici. J'en ai même un seul. Ça m'étonne. Je pensais qu'on en avait deux qui tournaient. Ah, il n'y a pas tant besoin de coton en fait. Et on va commencer à connecter eux. Ils utilisent le circuit que je leur ai prévu. Et ils emportent des planches. Nickel, c'était mon objectif. On va en cloner un, mais les faire paraître dans l'autre sens, comme ça. Tant qu'une voie soit dégagée. Bah, j'ai dû un peu charger la voie du coup. Ce qu'on peut libérer un peu en... Oups, j'ai cassé une connexion que je voulais pas casser. En disant qu'ils sont connectés comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Un souci avec le zigzag final de la voie, probablement. C'est bien comme ça. Je remets les signaux. Allez, là, c'est voulu. Hop, comme ça, ils ont leur voix à eux tout seuls. Ils devraient être contents. Enfin, à eux tout seuls, ils partagent avec Westferm. Mais bon. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront besoin de meubles. Je pense que c'est bien après qu'on ait fini la partie. 115, très très loin. Ça, c'est pas très rentable. Même si ça pourrait être beaucoup plus. Des vêtements. Ah oui, on en fabrique à San Francisco. Super, ça va leur plaire. Matériau fonctionnel, elle est juste là. Ici, l'usine de papier est bien alimentée. On va augmenter la cadence. D'ailleurs, ça suit pas. C'est que il n'y a pas une assez grande production, tout simplement. Parce que maintenant, on manque de coton. Coton qui est stocké en grosse quantité à l'entrepôt. Donc, c'est encore cette ligne-là qui ne suit pas la cadence. Mais j'ai tellement de locomotives qui s'arrêtent que je vois pas comment faire mieux. Si c'était en mettant une deuxième double voie ou un truc comme ça. Deuxième double voie, je pourrais faire tourner facilement 5-5. On va pas le faire. C'est pas nécessaire. Alors, il y a un train qui circule, qui apporte de l'alcool. Il y en a qui apporte du fromage, un qui apporte des vêtements. Fromage et vêtements, ça va permettre de faire monter un peu la ville. 74. Faut que je l'atteigne 80. Cette fois-ci, si c'est bon, je pense que ça redescendra pas. C'est la bonne nouvelle. On va encore augmenter le coton et espérer que le flux soit suffisant pour qu'il aille. Oh, j'en ai un seul ici. Belle bêtise. Alors qu'ils pourraient faire un flux de coton vers Los Angeles, ça leur plairait. Un flux de tissu, plus important. Ah, il emporte même de la viande. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, il doit pas y avoir de passagers. Je sais pas dans quelle mesure ils considèrent que prendre la viande de Kingman et l'amener à Los Angeles, c'est utile. Peut-être que Los Angeles n'en a pas. Mais ils en produisent. Peut-être qu'ils n'en produisent pas autant. Demande hebdomadaire 09, production 2-4. Normalement, ils produisent ce qu'il faut. Sauf s'il manque de bœuf. Bœuf qui viennent d'ici. Et qu'on va doubler. Cent deux pour cent, sachant qu'on peut aussi utiliser l'autre. Vous allez à Los Angeles, utilisez la voie. Pourquoi ils peuvent utiliser toutes les voies? Ça me perturbe. La voie numéro 4. Probablement qu'ils peuvent utiliser toutes les voies, mais en faisant des détours monstrueux. On va éviter. Et toi? À Los Angeles, voie 4.
Hop, ça fait une répartition plus égale. Ah, j'ai un peu surchargé la voie 4. Wow, on a atteint les 100 millions de valeur d'entreprise. J'ai encore 11 millions. Je pourrais acheter les entreprises. Les planches, par exemple. La brasserie, je pourrais acheter n'importe quoi, hein. Celle-là, vu le stock de bœuf, c'est nouveau, il faudrait mieux la faire gonfler un peu. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande maintenant. Avant, on avait des soucis. Ça a été vraiment utile, du coup, de dupliquer la ligne. Voilà, la tour d'assemblage est là. On va en mettre une autre. Là, vu qu'ils ont du mal à aller jusqu'à celle-là. Donc, séparer les deux, ça m'a permis d'avoir un flux de bœuf bien assez grand. Grâce à leur aide, de Ah bah nombreux voilà. îles ont développé et grandi. Vous J'étais en avez train des de me preuves dire qu'on d'un bel allait. instinct. Qui aurait imaginé qu'une parcelle aussi miteuse rapporterait autant? Grâce à votre esprit, vous avez apporté richesse et prospérité à l'état du soleil. Vous avez atteint vos objectifs ici. Passons à vos tâches suivantes. Alors, j'étais en train de me dire que j'allais vérifier les objectifs. Donc, on a terminé. En effet, quand il dit parcelle miteuse, je suis d'accord que c'est un peu pourri d'avoir de la production de bœuf dans la moitié sud, de la production de bière dans la moitié nord. Et donc, il y a plein de villes sur lesquelles j'ai pas fait usage parce que faire une connexion de cette ville-là à cette ville-là pour pouvoir avoir un flux de bière, c'est quand même trop nul. Ces deux villes-là, je sais pas si elles ont des lignes terriblement rentable, mais je pense que c'est pas du très très intéressant. Bon, du coup on a terminé. Est-ce que on a eu le... Ah! J'ai terminé 9 sur 10 missions, mais non, j'ai eu un bon score de temps. Bon, j'ai pas eu 30 points. La difficulté de la carte était pas très élevée. Ça, je pouvais pas y toucher. Le mode pause, je pouvais y toucher, mais j'aime pas trop. Valeur de l'entreprise, ouais, on a une courbe un peu exponentielle. Longueur des voies, au bout d'un moment, j'ai plus décidé de rajouter des trains sur les mêmes voies. Eh bien voilà, la partie a duré 6 ans, alors que j'en avais 20, si je dis pas de bêtises, pour terminer les dernières missions. J'ai dépassé les 100 trains, vu que j'ai eu le succès. Eh bien voilà, que dire de plus? Je vais... Alors... Ah, on peut augmenter notre score! Et en quittant le jeu, c'est la première fois que je poursuis un scénario. Ouais, mais elle est dure, la dernière mission. Je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. J'ai eu que des coches méga bien. Oh là là, c'est dur. Ça, je t'ai augmenté pour atteindre les derniers trucs de demande. Du coup, ils consomment leurs propres meubles. Pas mal. On va jeter un coup d'œil sur la rentabilité des lignes. Je pense que celle-là, par exemple, n'est pas très rentable. Non, ça va. Ah, parce que c'est à Yuma. Je pense que celle-là, elle n'est pas très rentable. Ah, si. C'est un peu curieux pour moi. Ah, Kingman a augmenté. Ils ont déjà atteint les 90. Est-ce que j'en fais un tailleur? De toute façon, j'ai pas grand-chose de plus intéressant à faire. Bon, la partie est finie. Pas forcément utile de continuer comme ça. Kingman, finalement, c'était pas si dur de les faire monter. Avec la connexion à Los Angeles qui apporte fromage et bière, les connexions à Joshua Farm, Stark Farm, Campbell Farm, le maïs, on le tire de ici, et à Body pour avoir de la bière et des vêtements. C'était pas si dur de les faire monter. Au début, je me suis dit, ça va être impossible de les faire monter. Je pense que c'était plus facile, ils sont mieux placés que sur San Diego.
San Diego, il est certes assez près de ces deux-là, mais à peu près à la même distance. Il est plus près de Los Angeles, mais il est aussi plus loin de Bodie et donc de Campbell Farm. Et il est très loin de maïs, et il est assez loin de... comment ça s'appelle? De coton. Bref. Voilà. Et j'ai atteint un niveau de charge sur les entrepôts. Je pensais pas qu'à un moment j'atteindrais un niveau de charge tellement élevé sur l'entrepôt qu'il faille que je coupe en deux pour pouvoir alimenter convenablement mes deux villes. Allez, on l'achète, c'est gratuit, presque. Ah, ça c'est ballot. J'ai fait deux voies et j'ai jamais demandé au train qui allait sur cette ligne-là de débarquer à Sacramento sur l'autre. Alors que j'ai fait un doublement de voie. Ça c'est un peu bête, mais bon. Sacramento, 200 000, waouh! Le bœuf, ça suit le rythme. Pas mal. Alors que je consomme 25 de bétail. Oh là 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 là. Voilà, j'espère que. Donc on va requitter, on va voir ce que ça donne. Alors attendez. Note. Si je finis la mission. Je vais pas augmenter mon classement du temps. Je vais pas. Donc j'ai 16 et 9. Est-ce que 16 plus 9 ça fait 25? Oui. En rajoutant 1 ici, j'arriverai à 26. Mon objectif c'est de faire président. Donc ça va pas le faire. On va sauvegarder la partie quand même. Et on va se quitter. J'espère que les quelques vidéos que j'ai fait, la série de vidéos que j'ai faites sur ce jeu vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, vous abonner. Si vous voulez une autre série de vidéos, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Spontanément, je ne sais pas si j'en filmerai une autre. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, probablement sur un autre jeu.